Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft avec notre robot aéroglisseur. On va bien voir s'il est efficace ou pas. C'est parti. L'objectif de ce robot c'était qu'il soit solide, hein, je le rappelle. Bah cool, génial. Bravo Cube Zapper. Ah, on vient frapper chez moi, bah je suis désolé, je suis pas disponible. Hop. Quel dommage, vous pouvez entendre mon chien d'ailleurs qui doit être en train de gueuler à fond devant la porte. Tant pis, je suis pas là, je suis occupé, désolé. Ok. Il semblerait que je sois tout seul sur la tour, hein. Je veux pas dire, hein, mais... Hop, ah puis ça insiste hein. Ok. Ils se battent en face ou... Ok. Voyons voir si ça passe comme ça au niveau de cette... De ce vaisseau, effectivement, ça passe plutôt bien. Ah merde, qu'est-ce qui manque? Ah, ces cubes-là, oui, effectivement. Ok. Lesquels me manquent-ils? Celui-là, voilà. J'ai été mauvais dans la découpe de ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a... Pourquoi il y a personne sur les tours? Tout ça, tout ça. Hop, on essaie de viser l'armement d'abord. Encore un mec qui s'est pas visé malheureusement. Est-ce qu'on peut viser son armement? En train de regarder le robot, j'ai l'impression en fait. C'est un peu dommage, je crois qu'il est en train de regarder le robot en fait, véritablement. Hop, pourquoi pas. Je sais pas ce qu'ils font. Ils sont pas hyper dynamiques. Hop. Bon, moi j'ai un robot stable, pas toi. Ok, mais par contre faut vraiment qu'on prenne les tours le plus vite possible parce que là ils sont en train d'avoir leur boost. Et malheureusement on va pas se permettre de ne pas en avoir. Par petite rafale, ça a l'air de bien marcher chers amis. Ok. Je regarde si c'est pas ma santé qui descend. Ça m'inquiéterait un petit peu. J'espère qu'ils sont pas sur l'autre tour en train de me tirer dessus. Je suis en train de regarder si la barre tombe. Et effectivement, j'ai l'impression que ça tombe. Ça tombe. Je suis en train de caper notre tour. Où est-ce que j'avais mis le bouton déjà? Là. Je pense qu'ils sont dessus. Allons-y.
On va le surprendre un petit coup, celui-là. Tu me reconnais? Je suis le mec qui arrête pas de te défoncer depuis quelques vies. Hop, désolé. Désolé. Finis-le, s'il te plaît, là-bas. C'est un petit peu lent, effectivement. Boum. Désolé, t'auras 10 secondes à revenir. Toutes mes gondoléances. Pourquoi vous n'arrivez pas à choper la tour là-bas? Oh là. C'est d'accord, intéressant. On peut donc se casser la gueule. Eh oui! J'ai aussi une très très bonne marche arrière. Dommage. Mais pas si bonne que ça. On sent que tu sais utiliser tes armes. Merci. On a récupéré 2 tours. On va essayer d'aller choper la 3ème, chers amis. On a niveau en termes de score. On est en haut du classement. Avec ce robot tout fraîchement créé. Qui a l'air assez solide. Ok. Disons, si j'arrive à faire 2 robots potentiellement bons de suite, c'est que je suis malade. Hein. Y a pas d'autre terme. Ok. Ça c'est fait, par contre j'ai vraiment un manque d'énergie sur ce robot. Je peux pas faire autrement. Ok. Ok, c'est bon. On y va! Crac, pourquoi il se plaint? Il m'a vu, quel dommage. J'espérais qu'il ne me voit pas. Ah putain, il commence à être nombreux là par contre pour le coup. Finalement. Ah, il est solide hein, finalement. Hein. Il est solide finalement. Par contre, si tu veux bien me sauver la peau, je voudrais bien, ça me dérangerait pas, tu vois. Eh, non. Ah, quel dommage. Tout ça à cause de qui? De ce trou du cul. Ah oui, encore un machin qui ne devrait pas voler. Encore un truc qui devrait pas voler. C'est pas grave. Bah il est joli aussi le sien. Mais j'aime moins, je préfère le mien. Honnêtement de loin je préfère le mien. Par contre est-ce qu'il a des armes ou... Ah non il a que dalle en armes. D'accord. Tu m'étonnes que je sois utile à l'équipe. Le mec qu'on a il a pas d'armes. Et il n'y a pas de joueurs en face. Ils sont que 3. Ça fait mal. D'accord, j'ai pu en fait en freinant avec l'hélice, j'ai pu rattraper le tangage du vaisseau. Intéressant. Ce qui veut dire en fait que pendant un temps j'ai eu toute l'équipe adverse devant moi quoi. Ou autour de moi, tout pété. Si seulement il était utile avec son robot lui là-bas.
pourquoi je suis tout seul? Qu'est-ce que vous, tu vous foutez? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Waouh, on a même des gens qui se sont arrêtés de jouer quoi, c'est fou, c'est... C'est génial. Vive le matchmaking. Bon bah c'est génial, je suis tout seul. Je joue tout seul, c'est cool. Bon bah Waouh. Waouh, mais ce robot qui tient par l'opération du Saint-Esprit quoi. Eh ben dis donc, on n'est pas rendu. Par contre, j'ai super mal aux yeux. Je sais pas ce que j'ai au niveau de mes yeux, mais c'est la violence, chers amis. Hein. C'est la grosse, grosse, grosse violence. J'ai l'impression d'être toujours en train de forcer. Je vais aller voir là-bas. Ce monsieur tank. Enfin bon. C'est d'une tristesse, chers amis, encore une fois, cet épisode. C'est vraiment dommage. La communauté, la communauté. Hop. Et voilà, j'ai les trois sur la gueule, ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule. Wouah. Regardez-moi cette bande de branleurs avec moi. Putain. Oh, tire du con. Putain. Les mecs ils branlent rien. Thank you.
Voilà, ça commence à être tellement long cette game que les gens veulent même pas la finir. C'est la fête. Donc ce mec là, ça devait être l'AFK. Oh là là, mais la ferme! La ferme! T'es inutile! Oh là 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 là. Et moi j'aimerais franchement report ce genre de joueurs hein, qui jouent pas finalement. Ils font rien, ils attendent juste que les gens fassent autre chose et. Ça me saoule. Putain! Foutez un report! Les joueurs qui branlent. Ils branlent rien! Il fait rien! Y'a aucun intérêt à report. Putain, ils servent à rien quoi, c'est d'une violence. Et voilà, je me fais encore rec par des ennemis qui devraient même pas exister. Et parce que j'ai tellement de potes qui restent au spawn, putain. C'est fou. Ah, cette game de merde, on est à 20 minutes pratiquement sur une game moisie comme ça. Est-ce que les gens peuvent m'expliquer leur utilité dans l'équipe quoi, sérieusement. Oh ta gueule toi hein. Voilà, tu sers à rien, tu restes à ta place. Comme tous les autres joueurs devraient faire. À partir du moment où vous servez à rien dans une game, chers amis, allez tous voir ailleurs. Hein. Il est bien, je suis bien content qu'il ait eu son machin, tant mieux pour lui. Hein, mais qu'il reste dans son équipe à la con là. De classer, parce que j'en ai rien à foutre qu'il vienne là. Il sert à rien dans mon équipe, moi perso. Là, franchement, putain, mais revoyez le. Créer un système de report, ça va pas le faire là. On tombe vraiment qu'avec des gens qui sont débiles, qui ont pas envie de jouer. Hein. Le mec il vole depuis le début ou tout, hein. Il donne des. En vrai, tout ce qu'il ferait, en vrai, ce serait donner des points gratuitement quoi. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Oh là là, je me fais chier, je suis désolé chers amis, mais là je me fais vraiment chier sur cette game. Oh la gueule. Voilà. Popiloupilou. Voilà, les gens se déconnectent au fur et à mesure, parce que personne n'arrive à terminer cette putain de game, c'est génial. C'est génial. Oh la gueule. Alors là, franchement, En fait, faudrait que les modos regardent toutes les vidéos de Robocraft et suppriment la communauté chiante. À m'expliquer où je touche pas. Putain, mais regarde ça! Regarde ça!
Putain, enfin. C'est incroyable. Oh la gueule. Ah mais alors là, je suis sur l'équipe de bras cassés qui veulent pas jouer. C'était magique. C'était magique, chers amis. Là, je suis désolé, mais il y a un niveau de connerie qui a atteint dans cette partie. Je crois que c'est le plus haut niveau de connerie qu'on a jamais vu. Phew. Bon bah au moins ça me fait de l'XP pour le groupe, hein. Pour le clan, c'est cool. Et une proto avec de l'épique, c'est déjà ça. Ok, bon. Bah écoutez chers amis, du coup on va cesser là pour cet épisode parce que là moi j'ai atteint le niveau de rage extrême. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus, pardon, pour d'autres aventures. Salut les gens.